rougit un soleil soudain. À travers la brume automnale, tombent les feuilles du jardin. Leur chute est lente. On peut les suivre du regard en reconnaissant le chêne à sa feuille de cuivre, l'érable à sa feuille de sang. Les dernières, les plus rouillées, tombent des branches dépouillées. Mais ce n'est pas l'hiver encore. Une blonde lumière arrose la nature et, dans l'air tout rose, on croirait qu'il neige de l'or. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Nous sommes vraiment ravis de vous voir, de vous revoir aussi, parce qu'il y a beaucoup de visages que nous avons vus il n'y a pas très longtemps, il y a presque un mois. Bienvenue à notre association Carbovie, qui a déjà 15 ans. Donc, comment le temps passe, n'est-ce pas? Les années passent, et nous sommes à 30 bien. C'est pour ça qu'il faut en profiter. Donc, on va tenter d'en profiter déjà aujourd'hui. Vous êtes d'accord? D'accord. Voilà, bienvenue aussi aux personnes qui viennent pour la première fois. Qui sont les personnes qui viennent pour la toute première fois? Levez la main. Oh là là, il y a presque une majorité. Bon, c'est marrant parce que ces personnes qui viennent pour la première fois, ce sont plutôt en seconde partie de ça. C'est le hasard. Qui n'existe pas. Voilà, donc notre association, comme vous le dites, il y a une quinzaine d'années, comme je vous le disais. Association qui a une quinzaine d'années et qui essaie de s'occuper de cette cause animale, cette cause que nous aimons toutes et tous. Et nous avons une professionnelle cet après-midi avec nous qui s'occupe des animaux, qui donne beaucoup de son temps aux animaux. Merci d'être là. Cathy, qui s'occupe de l'association sous mon aile. Et je crois que le Père Noël et la Mère Noël sont passés cet après-midi. Il y a vraiment beaucoup de choses que nous aurons plaisir à remettre à Cathy. Voilà, nous essayons, notre but est tout simple, vous le savez pour certaines, tenter de prouver qu'il se passe quelque chose après la vie terrestre. Nous avons vécu notre vie terrestre, et ensuite il y a autre chose. Certains l'appellent la mort, d'autres l'appellent l'autre vie, l'autre monde. Voilà, et donc, avec des conférences, avec ce que j'appelle des expériences de médiumnité, c'est-à-dire que le canal tente d'avoir, de capter des preuves de la survivance de l'âme. Nous avons tous les sujets d'âme, vous le savez, n'est-ce pas? Nous avons bien, non? On va en discuter, on pourra en discuter, c'est bien. On pourra même en faire une conférence. Voilà, pour ce qui est de l'association, je sais qu'il y a des personnes qui viennent aussi hors département. Quelles sont les personnes qui viennent hors de l'Hérault? Montrez-vous un petit peu, annoncez-vous. Ah, il y a pas mal. Je sais qu'il y a des gens qui viennent du Gard, des Bouches-du-Rhône, de l'Ardèche. Oh là là, on a mis quelques marrons. Elles sont pas grillées, bon, attention là. Et je crois qu'il y a des gens aussi de Bouches-du-Rhône, de Lozère, je crois, non? Ah, vraiment. Merci d'avoir fait ce voyage agréable, puisqu'on va passer quand même un après-midi agréable. En tout cas, nous l'espérons avec Marie. Voilà, en remerciement, comme je le fais chaque fois, c'est important de le faire, parce que sinon nous ne serions pas là. Nous remercions bien sûr la municipalité qui met à notre disposition ces lieux, ces chaises, ces infrastructures. Merci aussi à Laurent et à Xavier.
pour la communication, Laurent qui a fait la belle affiche, et puis Xavier pour le protocole. Voilà, merci aussi à celles et ceux qui, de près ou de loin, nous aident par la pensée, parfois par des actes. Voilà, merci donc à toutes ces personnes-là. Voilà, et donc le dernier rendez-vous, c'était donc, comme je vous disais, il y a presque un mois avec Patricia. Quelles sont les personnes qui étaient là avec Patricia Darry? Levez la main. Je sais qu'il y a quand même pas mal de monde aussi. Voilà. Et comme vous savez, nous avons été le lendemain, vous avez un petit peu d'infos de part et d'autre. Hein. Le lendemain, nous sommes allés pour celles et ceux qui n'ont pas peut-être les réseaux sociaux ou un réseau social que je n'aimerais pas, Facebook. Vous avez un petit peu d'informations. Puis vous avez reçu aussi des mails, je crois. De temps en temps, vous avez quand même des mails pour vous dire ce qu'on fait. Et donc, il y a eu donc un don quand même de 1000 euros qui est quand même conséquent. Et celle-ci était vraiment très, très surprise, je ne veux pas dire très, très émue de ce don. On a aussi donné, selon les vœux de Patricia Darré, au père André-Marie, qui est dans le Nord, 500 euros, ainsi que la même somme au CCAS de Vendard, au Centre d'Action Sociale, et la même somme aussi à l'association Stéphanie Fuguet. Voilà, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, merci. Merci de votre participation. Aussi, merci parce qu'il y a eu, nous avons vu tout à l'heure, des personnes qui ont donné un petit peu plus que 10 euros pour les animaux. Merci infiniment. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, quelques petits détails. Quand vous inscrivez, essayez de nous donner soit votre nom Durand, soit votre nom Dupont. Mais que nous allons retrouver Dupont ou Durand sur la liste. Hein. C'est un peu difficile. Quand il y a deux, voire trois noms, on commence un petit peu à se gratter la tête, on ne sait plus où on en est. Bon, voilà, ça c'est pour la petite histoire. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, si vous avez des suggestions, de conférences, de thématiques, peut-être d'intervenants, de lui aussi, vous nous le suggérez, ça sera avec plaisir. Et puis il y aura la fin, ne partez pas à la fin, parce qu'il y aura plein de choses encore à la fin de cette belle après-midi, et notamment il y aura, on va en parler. Notre canal fait donc une consultation, il y aura une tombola pour une personne. Il nous a donné ce cadeau, il a fait ce cadeau hier soir. Donc nous avons dîné ensemble. Voilà, les dernières infos. Nous étions en septembre. Je cherche. Nous étions en septembre au Mimosa, une association à Orange. Il y avait une très belle conférence avec Tarek. J'ai bien prononcé, c'est Tarek, hein, c'est ça. Il a fait une très belle conférence sur les lignes de la main. Bon, c'était les lignes de la main et... J'allais dire l'humour, non. Les lignes de la main et l'amour. Et l'amour. Peut-être qu'on pourra le faire venir, si ça vous intéresse. Soit les lignes de la main, soit l'amour. Je sais pas. Soit les deux. Ah, bon, soit les deux. Bon, soit. Voilà, donc il y a une petite délégation qui est allée donc, au mois de septembre là-bas. Et puis en 2024, vous avez le programme. Il y a un petit changement pour 2024, donc, j'ai là. En 2024, le samedi 2 mars, on l'a su hier, donc les programmes étaient déjà tirés, le samedi 2 mars, il y aura bien Chantal Mégarès qui viendra nous parler des signes de l'au-delà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui la connaissent, une super conférencière et médium, parce que vous avez souvent les médiums qui font des conférences, bon, des exposés, sans dénigrer les uns les autres. Mais Chantal, elle est une réelle conférencière. Donc, et ça ne se passera pas avant Dargues, mais dans un autre lieu, à Bon, pas très loin d'ici, au Crès. Vous connaissez le Crès, c'est pas loin. 3 km. On peut le faire à pied ou en vélo, en trottinette. On vous dira le lieu très très prochainement, c'est acté. Elle est OK pour faire sa conférence dans ce lieu assez original. Assez original. Voilà pour les petits changements. Vous dire aussi que Patricia Darry, pour reparler d'elle, a sorti son livre sur les Templiers, le Templier m'a dit en édition de poche. Voilà. Et puis, dans les nouvelles aussi, Bénédicte qui était là, le canal qui était là au mois de juin, a sorti son jeu. Alors, il s'appelle La vie du jeu, J-E, et là vient le mot du jeu, un jeu de cartes. Voilà. C'est un petit jeu de cartes, mais elle en parle déjà
sur Facebook. Vous dire aussi qu'il y a, celui-là date du mois d'août, mais vous pouvez vous le procurer sur Internet, Infinity, qui a consacré, c'est le numéro 2, Infinity, qui a consacré quelques pages très très intéressantes sur les médiums, justement. Les médiums, la médiumnité. Voilà. Le reportage parle de certains médiums. Alors, j'ouvre la page au hasard, entre autres d'Henri Vigneault. Vous connaissez peut-être Henri Vigneault ? Non. Bon, c'est un gars de Paris, mais il descend quand même de temps en temps en province. Voilà, donc Infinity. Et le prochain, c'est un pote qui m'a envoyé. Il va sortir donc le 25 octobre. Il va parler des magnétiseurs. Voilà. C'est un trimestriel. Voilà pour les petites nouvelles. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire ? Attendez voir. Voilà, ça fait... Ah oui. Et ensuite, un livre intéressant, parce que j'ai rencontré cette femme au charisme énorme qui s'occupe des fins de vie, Marie de Wenzel. Vous connaissez Marie de Wenzel ? Si vous ne connaissez pas Marie de Wenzel, c'est la spécialiste en France de la fin de vie. Elle le dit dans ses conférences, c'est pour ça que je me permets de le dire, à 77 ans, elle continue ses conférences et toute sa vie, donc elle a donné son âme, j'ai envie de dire, pour ses fins de vie. Et elle a écrit un très très beau livre, on en parlera aussi tout à l'heure, pendant la présentation de votre canal, que vous attendez toutes et tous avec impatience, Vivre avec l'invisible. C'est un super, super livre, elle parle de ses expériences. Vivre avec l'invisible, Marie de Wenzel. Voilà, et écoutez, je crois que j'ai tout dit. Ah, juste avant d'accueillir notre ami, on m'a fait cadeau d'un petit livre très intéressant, Pensée quotidienne, et j'ai ouvert, parce que ma curiosité de scorpion m'y pousse, au 22 octobre, j'ai dit, je le lis, le 22 octobre, il est dit, la vie et la mort. On est en plein, non ? Aujourd'hui, on est dans la vie, on est encore vivant. On va parler des défunts, mais on est bien quand même dans la vie. La vie et la mort, sur ces deux mots repose toute la création. La vie ne peut se comprendre sans la mort, ni la mort sans la vie. Elles marchent ensemble inextricablement, liées l'une à l'autre. Dès que la vie apparaît, elle est immédiatement menacée par la mort. Pris isolément, les mots vie et mort n'ont pas véritablement de sens. C'est la vie qui donne son sens à la mort et la mort qui donne son sens à la vie. C'est pourquoi nous ne comprendrons réellement la vie que lorsque nous passerons un jour par les portes de la mort qui nous donneront accès à une forme de vie nouvelle. Enfin, je crois que c'est à méditer longuement. Durant quelques années, il a jonglé entre la cuisine, le service, les entrées, les plats de résistance. Il a résisté les desserts, les vins, les cafés gourmands. Il a chanté des louanges françaises et de l'au-delà. L'au-delà lui a parlé. Son nom signifie en grec ancien le haut placé, et nous le plaçons haut. Il signifie aussi éclairé, car il nous éclaire, en tout cas il va nous éclairer. Nous en sommes persuadés. Frère de Moïse et de Myriam, mais notre petit frère aussi, notre petit frère dans la communauté, dans la médiumnité. Je vous demande d'accueillir et de réserver un accueil digne de ce nom à Amon. C'est où là ? Ça fait bizarre. Oh la vache. Ça fait bizarre. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Attends. Oui. Pardon. Ça va ? Parce que j'ai écrit, hein. J'ai fait mon Michel Drucker et j'ai écrit. Ah, bravo. Il lui demandait comment ça va. Moi, ça va bien. Enfin, il est là. Enfin, il est là. Restaurateur durant presque 10 ans, il a découvert les réseaux sociaux. Un jeu de cartes arrive dans sa vie, dans ta vie.
souvenirs ne t'appartenant pas, et tu es depuis un an et demi canal spirit, médium. Tu vis facilement, simplement ta médiumnité, parce que ce n'est pas pesant pour toi. Ah, tu évites de faire de la voyance et de la guidance, et tu priorises et tu quantifies le contact des défunts. Tu as deux patrons, les endeuillés et les défunts. C'est ça. Et désormais, tu gribouilles en salle au sein des associations qui t'invitent. Le Grand Sud t'apparaît et au-delà. Aaron, comment vas-tu ? Oh, ça va très bien. Comment ne pas aller ? Hier à Salon, aujourd'hui à Montpellier, après-demain, la semaine prochaine, un peu plus loin peut-être. C'est ça. Non, semaine prochaine, je me repose. Week-end prochain, je me repose. Alors, j'ai intitulé cette première partie, ce premier temps, « Avant que tout ne commence ». Alors, je me suis un petit peu intéressé forcément à ce que tu avais fait avant, et aussi à ce prénom, Aaron. Aaron le Niçois. Aaron, ton second prénom, idéaliste, que signifie Aaron la personnalité ? Peut-être que ça va avoir un écho chez toi. Idéaliste qui souhaite accomplir de grandes choses pour rendre le monde meilleur. Il a une bonne opinion de lui-même. Oui, de temps en temps, il faut quand même... Hein, ah oui, un peu quand même. Un petit peu. Mais il est aussi courageux et honnête. Il respecte les plus faibles et n'hésite pas à prendre leur défense. Aaron en hébreu, celui qui vient après. Celui qui chante les louanges de Dieu. Ah oui, c'est ça. Il a le courage de prendre des décisions et de s'engager dans des projets difficiles. Très persévérant, il sait comment atteindre ses objectifs. Sa force intérieure et son leadership sont très appréciés par ses pairs. Très ouvert d'esprit, les Aaron prouvent une grande curiosité. Naturellement doué pour les affaires et les relations interpersonnelles, les Aaron aiment s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et objectifs que lui. Ce prénom est également associé à un grand sens de la justice et de l'équité. Les Aaron sont très loyaux et serviables, ils sont toujours prêts à aider les autres. Ils ont un grand sens de l'honneur et de la loyauté. Pardon, je me répète. En conclusion, Aaron est un prénom très fort et puissant qui reflète une personne forte, indépendante, juste et persévérante. Il est associé à la lumière, à l'ouverture d'esprit et à la loyauté. Les Aaron sont des personnes qui aiment la vie et qui aiment partager leurs intérêts et leur joie avec leurs amis. Là, j'ai plus rien à dire. Que dire après, hein? Magnifique. Que dire après ça? C'est quelque chose qui reflète un petit peu, tu t'y retrouves dans certains. Ah oui, en toute humilité. En toute humilité, oui. C'est exactement ça. La justice, le don de soi. Tout est dit. La partie, je l'ai dit avant que tout ne commence. Tu étais restaurateur, Gouzi Gouzi. C'est ça. Et... C'était le nom du restaurant, Gouzi Gouzi. Et tu as donc tu as fait cette expérience dans la restauration. Tout à fait. Pendant 9 ans, en fait, j'étais restaurateur. Je œuvrais pour rendre du bonheur aux gens, mais pas comme maintenant, différemment. J'étais un petit restaurant à tapas où il y avait de la musique, où je chantais. D'où au fait, je chantais pas des louanges, mais je chantais pour les clients qui étaient là. Et un peu plus tard, ma vie a changé, mais je pense que tu vas me poser des questions sur le après. Donc c'est vrai que ma vie de restaurateur, c'était 10 ans de fêtes, de joie, de d'URSSAF, de plein de choses. Mais c'était magnifique. Mais c'était magnifique. Bonne expérience. Ah oui, 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 oui. Tu nous as confié hier soir que peut-être ce serait une expérience que tu ne renouvellerais pas. Jamais. Jamais. Je pensais qu'on ne pouvait pas dire toujours et jamais, c'était deux mots interdits. Non, jamais. Plus jamais. Plus jamais. Et alors, parce que je me sentirais pas à ma place, en fait. Tu ne te sentirais pas. Ouais. Il y a des gens qui se sentent très bien en restauration et qui ont peut-être des projets de restauration, mais moi, plus du tout. Plus du tout. Je suis plus à ma place. J'étais plus à ma place, d'ailleurs, en restauration... À la fin, quand la médiumnité s'est un peu imposée à moi, quoi. Un peu comme si finalement cette seconde vie, on peut parler de seconde vie. Troisième même. Ouais, même. Un peu comme si cette troisième vie là que tu es en train de vivre, elle venait effacer certaines choses et te conduire à cette nouvelle vie qui allait te convenir davantage. Exactement. Et pleinement même. Ah ben pleinement. Et en plus, ça s'est passé, mais alors moi je dis comme une lettre à la poste. Mais en fait, le jour où j'ai décidé de vendre le restaurant, sur le chemin en fait
de l'agence où j'allais vendre le restaurant. Je m'arrête dans un café, je raconte mon histoire. Et ce qu'il y a de plus extraordinaire, les personnes à qui j'ai raconté l'histoire dans le café cherchaient un restaurant. Je ne suis même pas passé par une agence, en fait. Voilà. Bon, après, il y a eu les papiers, l'état, les choses comme ça. Mais voilà, ça a été comme une lettre à la poste. Est-ce que tu as eu peut-être des signes avant-coureurs qui t'ont peut-être prévenu ou dit que... Alors, pas trop de signes. C'est vrai qu'au restaurant, pour moi, c'est ce que je te racontais hier. La médiumnité, c'était une dame qui était dans une roulotte qui tirait les cartes. Alors, je faisais des soirées un petit peu... Je vous vois pas. C'est un peu... Voilà. C'est difficile. Je veux voir tout le monde et j'y arrive pas. Ça m'énerve. Moi, j'évite de regarder 130%, je regarde en rond. Sinon, ça va être... Bon, je suis désolé, je vous tourne le dos. C'est pas grave. Pardon. S'il y avait des signes avant-coureurs... Alors non. Comme je t'ai dit, j'ai pas eu de signes avant-coureurs. J'ai vécu il y a très longtemps dans une maison où j'avais eu des phénomènes un petit peu style fantôme ou des choses comme ça, mais rien du tout. Ça a été vraiment du jour au lendemain, au moment où... quand je me mets sur les réseaux sociaux et quand, à cause du Covid, je suis bien, je suis chez moi, chez moi tranquille, je vois des dames qui passent sur les réseaux et qui tirent les cartes et c'est la catastrophe. J'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « ces femmes ne respectent rien, tu peux faire mieux ». Je vais acheter un jeu de cartes le lendemain, ne cherchez pas pourquoi, comment, c'est mon Jiminy Cricket ou mon guide maintenant... spirituel qui m'a insufflé ça. Tu chantais des génériques de films, c'est ça? De dessins animés, oui. De dessins animés. je chanterai pas ce soir. Je vois ta pudeur. je chanterai pas. Je dois être rouge. non, j'ai eu cette petite voix. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis allé acheter ce jeu de cartes, c'est comme ça. Et au moment en fait où j'ai acheté ce jeu de cartes, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des souvenirs qui ne m'appartenaient pas. J'ai eu des repas avec des ex-belles-mères, ce n'était pas mes ex-belles-mères, ce n'était pas mes repas. Et voilà. C'est ça, tu as des souvenirs qui ne t'appartiennent pas et qui surgissent quand même en toi. Et donc finalement, comment se révèle cette transmission, cette médiumnité? Alors, ça se révèle, ça peut faire peur quand on reçoit des images que... qui ne sont pas les nôtres. Moi, je n'ai pas eu peur du tout, et c'est souvent ce qu'on me demande, est-ce que tu te protèges, ou est-ce que... C'est les premières questions. Alors, oui, on a tous un peu les petits gris-gris, mais je vis ma médiumnité simplement, naturellement. Je ne suis pas en transe quand j'arrive dans des lieux où je suis possédé, ou « Ah non, je ne peux pas rentrer là ». Je très simplement, et dans ma courte expérience, j'ai remarqué que plus c'était simple, en fait, c'est... Plus c'est droit, mieux ça passe. C'est comme je dis toujours, mon décodeur, il faut qu'il soit aligné à là-haut. Et si on commence à dire oui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, et bien en fait, il y a de la friture sur le canal. Justement, on va dire. Comment ce décodeur s'est mis en place? Très rapidement. Alors j'ai une chance incroyable. 3 semaines après, j'avais plus du tout mes cartes. Je captais les défunts. J'ai de suite aussi capté les âmes animales, parce que c'était essentiel aussi pour moi de canaliser des petites boules de poils, mais pas que. J'ai eu des oiseaux, j'ai eu des lamas, des singes, des dauphins, enfin bref, plein de choses. Pas peur du tout, vraiment, et surtout simplement. C'est-à-dire que quand je recevais les informations, j'essaye pas à inventer un chose autour, non, c'est simple, et j'ai pris le pli parce que j'étais friand d'expérience. Je voulais faire de l'écriture automatique et en fait ça a loupé. Je fais du gribouillage automatique parce que mon crayon va un peu partout en fait, et c'est vrai que c'est fou parce que je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ça. Il me faut un papier, il me faut un crayon, il me faut moi le cul sur une chaise et pas bouger, un peu, voilà. Et ben cette différence a fait que je suis invité partout et que je suis... j'ai une chance incroyable, au bout d'un an et demi de salle, et ben, je me retrouve devant vous en essayant d'apaiser un peu vos peines, parce que c'est pas évident. Comme je dis toujours, le deuil, c'est une blessure qui ne se soigne jamais.
On aura beau mettre ce qu'on veut, des pansements, plein de choses. C'est, le deuil, c'est, je pense que c'est la seule justice qu'il y a sur cette terre. Vraiment. Le deuil est la seule justice, Qu'il y a sur cette terre. Qu'on ait 10 euros en banque ou des millions d'euros, ou qu'on soit à la rue, ou qu'on soit dans un palace. Tu veux dire par là qu'en fait, le deuil, et donc, c'est ce qui règle. La vie physique et physiologique concerne tout le monde. Oui. On est toutes et tous dans la même enceinte. Après, il y a des deuils qui sont injustes, je l'entends, et c'est important de le dire aussi, mais on est tous confrontés au deuil. Ouais. Donc ta médiumnité se met en place, et tu te souviens de ta première salle, j'imagine? Oui, j'étais nul. J'étais nul. C'était à Nice. C'était à Nice, ouais. Ouais, c'était à Nice, ouais. Et tu as commencé directement à gribouiller? Non, j'étais terrorisé en fait ce jour-là. Donc je gribouillais, mais je passais entre les chaises des participants, et c'était très 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 compliqué, parce qu'en plus en plus de tout ça, je faisais une réaction je suis pas pro-vaccin, mais au vaccin où il m'était sorti des herpès partout, voilà, vous savez tout. Et donc j'étais complètement minable, et non, ma première séance, c'est la seule que j'ai pas mis sur YouTube. Sinon vous serez pas là aujourd'hui. Et depuis tu en fais 3, 4. Et depuis j'en fais une par semaine. J'ai la chance d'être reçu. 4, 5 par mois. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord, dans les villes, dans le Grand Sud et au-delà. Je suis allé jusqu'à Fougeray. Ah, d'accord. Voilà, novembre, décembre, tu es complet 2024. Des projets, des choses nouvelles, des. Projet peut-être. J'aimerais bien écrire un livre. Mais je l'ai envoyé à mon guide. Ouais. Ça va peut-être se faire. Voilà. D'accord. Ça, j'ai hâte. Alors, est-ce qu'on peut maintenant parler, si tu veux bien, de la médiumnité, ce qu'est un médium, comme pour moi le mot médium m'insupporte un peu, mais ou canal, et qu'est-ce qu'un médium pour toi? Et juste avant, je voudrais lire, si tu me permets, petit extrait. Encore de Patricia Daré, pour ne point la nommer, qui parle justement des médiums dans son premier ouvrage, Un souffle vers l'éternité. Oui. De la même façon, il est impossible pour un médium de se connecter à des défunts 10 fois par jour et 7 jours sur 7, sans épuiser toute son énergie. Il n'est pas toujours aisé pour les morts d'entrer en communication avec nous. Aussi puise-t-il dans les ressources du médium lui-même afin d'y parvenir. Une personne qui utilise beaucoup ses capacités médiumniques est donc en proie à une grande fatigue. Il lui faut espacer ses communications avec l'au-delà afin de faire du bon travail et d'éviter de tomber malade. Alors, pourquoi nous arrêter sur le mot médium? Parce que on entend souvent médium, voyant, cartomancien. Pour ma petite expérience, encore il y a quelques jours, j'ai discuté donc sur un réseau social que je nommerai pas. Avec un monsieur, bon, il y avait le prénom et le mot médium. On va éviter de dire son prénom, ça n'a aucune importance. Et en discutant avec cette personne, au bout de quelques temps, il m'a dit qu'en fait, il faisait finalement que de la voyance. Ah oui. Hein? Qu'il utilisait le pendule. Bon, soit on peut utiliser le pendule, mais un canal spirit n'a pas besoin de pendule. Même si le pendule est tout à fait respectable. Et en grattant aussi un petit peu encore la conversation, il me dit que finalement, s'il y a des gens qui viennent à ces consultations, s'ils demandent le contact, bon, peut-être il va essayer de faire du contact, mais il va être, en fait, ce que j'ai compris, l'intermédiaire entre les vivants et ceux qui habitent ailleurs. Et bon, mais s'il y a un message à donner, ben, il va donner le message du vivant à la personne qui est dans l'autre monde. D'accord, voilà. Oui, c'est ça. Bon. Mais si tu veux, j'étais un petit peu sûr. En fait. Et je lui dis, mais finalement, alors, pour vous, c'est quoi être... Êtes-vous vraiment médium? Et en fait, il a conclu que finalement, il n'était pas canal. Hein, il faisait plus de la voyance qu'autre chose. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui mettent le mot médium sur des cartomanciens ou des choses comme ça, mais c'est un peu l'inconscient collectif qui fait que dès qu'on a un frisson dans le cou ou qu'on reçoit une plume sur le paillasson... C'est comme des médiums. Il y a en Suisse, en Belgique, depuis quelques années, des écoles. On apprend en un week-end à être médium. C'est bien. Pour quelques, non pas quelques dizaines, quelques centaines. Bravo. Un petit peu plus même, d'euros. Ça arrive en France aussi. Hein, on voit comme ça des personnes qui font des ateliers, des choses. Ouais.
à organiser ce genre de week-end. Il peut y avoir des ateliers qui nous fassent prendre conscience de comment réagir et comment. Mais en fait, c'est bête ce que je vais dire, mais le plus gros atelier, c'est nous-mêmes. Plus on se connaît, plus on sait comment on réagit, et plus on sait comment on va faire les choses tout simplement. En fait, l'atelier à faire, c'est la connaissance de soi, tout simplement. Et ça vient tout seul. S'aligner la connaissance de soi, c'est la clé d'être un bon médium ou pas. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas médium qu'on n'est pas obligé d'être médium sur cette terre. Hein. Non ? Tout à fait. Ben voilà. C'est pas une condition sine qua non. C'est ça. Parce que j'entends aussi souvent des gens qui disent, mais nous sommes toutes et tous médiums, nous sommes toutes et tous canaux. Alors oui, on a tous ces facultés, mais comme on a tous la faculté de peindre, on a tous la faculté de jouer du piano, mais ce qui fait que cette capacité se transforme en don, c'est ce qui fait qu'une personne lambda qui peint devient Picasso. C'est ce qui fait qu'une personne lambda qui fait de la musique devient Mozart. Et c'est ce qui fait qu'une personne lambda qui est dans la médiumnité ou qui a des ressentis devient Henri Vigneault, pour ne pas le nommer, qui est un très bon médium. Mmh. Voilà. Oui, moi j'ai souvent répondu dans les présentations que je faisais personnellement, des gens qui me disaient, ben voilà, je suis médium, tel, etc. Il y avait toute une kyrielle de personnes. Et moi, j'avais envie de leur dire à ces personnes-là, ben, écoutez, venez un jour, faites la seconde partie, assurez la seconde partie, recevez des messages, quelle que soit la manière, parce qu'il y a autant de médiums et de médiumnités, on est bien d'accord. Ah, c'est ça, oui. Comme il y a autant de défunts que de signes de reconnaissance. Donc, tentez de faire ce que font certains, en public, hein, c'est-à-dire sans filer, en direct, c'est ça. Et puis peut-être on reparlera un petit peu de cette canalisation. Et Patricia Daré a tout à fait raison, on ne peut pas faire de la médiumnité tout le temps, il faut avoir des temps de repos. Pour mon histoire, moi je ne peux pas aller au-delà de 3-4 consultations par jour et 2 fois par semaine. Sinon je suis malade. Elle a tout à fait raison. Marie de Henzel avait rencontré à un moment donné, elle raconte dans ce livre Vivre avec l'invisible, elle avait rencontré Stéphane Hessel. Et Stéphane Hessel, qui était un gars hautement spirituel et philosophe, lui avait parlé d'un autre écrivain, et cet écrivain lui avait dit à Hessel, il s'appelle Rie, nous sommes les abeilles de l'invisible. J'ai noté cette phrase, nous sommes les abeilles de l'invisible, en parlant des médiums. Et elle dit, elle raconte cela, Marie de Henzel, Stéphane a par ailleurs toujours le sentiment d'avoir de la chance. 4 fois au moins, la mort l'a frôlé, mais il a survécu. Il disait souvent qu'il fallait au moins une fois dans sa vie croiser la mort. Et il précisait, c'est une expérience importante, la vie est un bien, on risque de l'oublier si elle n'a pas été préservée à un moment où on aurait pu la perdre. Cela vaut pour les périodes de guerre, mais aussi pour de graves maladies. Hein, ça rejoint un petit peu le premier texte que j'ai lu tout à l'heure en introduction, la vie et la mort. Il ose dire qu'il faut peut-être un jour ou l'autre avoir une épreuve de qui nous conduit aux portes de cet autre monde. C'est alors pour moi pas forcément. Merci. Parce que j'ai pas il y a beaucoup de médiums qui parce qu'on ont vécu ont frôlé en fait ces portes de la mort. Moi pas du tout. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai pas eu ce genre d'expérience pour je ne vais pas dire devenir, mais mes capacités ne sont pas exprimées parce que j'étais aux portes de la mort. Et c'est peut-être pour ça que je vis ma médiumnité gaiement, parce que je suis dans la simplicité des choses. Et c'est important. C'est important. C'est vrai qu'on remarque souvent que beaucoup de médiums ont dit après tel ou tel accident de la vie, ma médiumnité s'est révélée. Exactement. Alors peut-être que moi, être bien, tranquille chez moi, c'était un choc. Après avoir connu 10 ans de restauration, c'était peut-être un choc. Le choc du bien-être est peut-être aussi important que le choc du mal-être. C'est aussi peut-être ça. Elle parle aussi, Marie de Henzel, d'hypersensibilité. On remarque aussi que les,
les médiums ont cette sensibilité ou cette hypersensibilité. Oui, ouais, ça c'est. Il y a beaucoup de médiums en fait qui ont les deux états, l'homme et la femme. C'est comme ça. Le yin et le yang. Le yin et le yang, le blanc et le noir. Et les deux sont à la même hauteur. Il y a beaucoup de médiums ont ce côté féminin très développé. Je parle de médium homme. Oui. C'est peut-être une des conditions sine qua non pour être médium. Je ne sais pas. C'est cette balance du côté homme et du côté femme, du yin et du yang. On pourrait dire peut-être que la médiumnité est yin finalement. On devait mettre du yin et du yang, du signe. Oui, un peu plus signe, oui, un peu plus signe, oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc Patricia, vous disiez qu'on peut pas être, apparemment, on peut pas être médium H24. Elle va passer, peut-être que le mot est pas juste, mais un contrat, elle va passer une alliance, voilà, merci. Le mot alliance est mieux, et elle dit... Le premier message que j'avais reçu en 1995 en écriture automatique, ouais, avec ses mises en garde et ses consignes, était bien évidemment issu de ma hiérarchie. Deux points, ouvrez les guillemets, tu ne le feras pas quand tu voudras, mais quand cela sera nécessaire. Est-ce que cette phrase te a écho chez toi? Quand ce sera nécessaire? Alors oui, parce que... On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec la médiumnité. On peut pas. Ouais, je vais essayer de parler plus fort, je suis désolé. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec la médiumnité. On peut pas. Il y a quelque chose qui est essentiel pour moi, c'est que quand je transmets avec le cœur. Alors ça peut m'arriver de me tromper. Vous verrez tout à l'heure, alors j'espère le moins possible. Mais il y a une chose qui est importante. Moi, j'ai un peu aussi passé un contrat avec mon guide spirituel. Je lui demande de jamais trop me montrer comment le défunt... C'est désincarné. Comment le défunt s'est envolé, parce que je pense que la désincarnation ne résume pas une vie. Il y a tellement beaucoup de choses plus belles dans une vie que de se focaliser sur, sauf cas exceptionnel, sur comment il est parti, comment il a été entubé, les longues maladies, les choses comme ça. Il ne faut pas se rappeler du défunt comme ça. De ce qu'ils me disent, ils n'aiment pas trop, en fait. Ils préfèrent, comme je dis, préfèrent les souvenirs heureux que des souvenirs d'hôpital ou de choses comme ça, vraiment. Et ça, c'est essentiel pour moi. Et on reconnaît le défunt. C'est pas parce qu'on ne dit pas comment un défunt s'est désincarné qu'on n'arrive pas à le reconnaître. Oui, c'est ça, c'est les preuves de survie. Vous verrez. Je faisais l'introduction tout à l'heure. En fait, ta vie quotidienne, comment tu la gères, comment tu la vis Très bien. J'imagine. Oui, très bien. Très bien. Je reçois... Oui, ça va, très bien. Non, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de messages de personnes qui doivent être là aujourd'hui, qui m'ont envoyé plein de messages. Alors ça, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est ce qui fait, en fait, que ma médiumnité est joyeuse et gaie, pourvu que ça dure. Parce que tant que c'est comme ça, eh ben, je prends. Après, oui, je dors un peu. J'ai peut-être des moments un peu plus de fatigue, mais ce n'est pas ce qui est prédominant en fait sur ma médiumnité. Non, c'est... Je vais faire mes courses, je tranquille. Tout va bien, vraiment. Tout va bien. J'ai pas de contre-indications. Je dors beaucoup, voilà. C'est la seule chose peut-être qui est un peu spécifique. Je me répare dans le sommeil. Je me reconstruis dans le sommeil. Voilà. Tu as dit on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On a vu aussi, dans le temps et même récemment, des médiums qui, pour X raisons, étaient interrompus dans leur capacité, dans leur don. Ah oui. Parfois ils le comprennent, parfois ils ne comprennent pas toujours. Des fois, c'est peut-être parce qu'ils font tout et n'importe quoi. Moi, au plus ça va, au plus j'ai peur. Et au plus, je prends conscience du devoir que j'ai vis-à-vis des endeuillés et des défunts qui viennent me voir. Je ne pourrais pas changer, c'est comme ça. Quand on est médium, on a un devoir de transmettre juste, de transmettre bien et de transmettre
avec sincérité et surtout de ne pas tronquer la vérité pour son profit personnel. Et ça, c'est essentiel. C'est aussi un contrat que j'ai signé un peu spirituellement avec mon guide spirituel. Et je lui ai dit, si un jour ça, je prends trop le melon ou si je suis hors des sentiers battus, j'accepterai que tu m'enlèves toutes mes capacités. On peut te placer dans les médiums purs. Non, c'est une boutade. Pure, comme quoi Non, parce qu'on voit aussi, sur certains réseaux, certaines 10 capacités, 50 dons. Médium pur. Pur, oui, oui. Ça, j'adore parce que je me dis que finalement, les autres médiums sont des impurs. Alors. Oui, c'est ça, oui. C'est un peu ça. Oui, ou alors sans langue de bois, ça veut dire qu'elle va vous engueuler, mais c'est gentil. C'est gentil. Voilà. Ou sincère. Voilà. Alors quand il y a des médiums qui mettent sincère et sans langue de bois, fuyez, parce que c'est que. Généralement, ce qu'ils disent, c'est le contraire de ce qu'ils sont. Donc, médium pur. Aussi de naissance, médium. Moi, j'ai vu ça à Parapsy quand j'étais à Paris. Ouais. Médium depuis 3, 4, 5, 10 générations. Ah oui, ben. Ça se transmet. Écoute, c'est l'effet clochette qui. Non, je ne sais pas si ça se transmet. Alors, moi, par contre, après, quand j'en ai parlé à ma mère fait beaucoup de rêves prémonitoires. Elle a eu ses capacités quand. J'étais dans son ventre et que j'avais à 3 mois de grossesse. Et ma grand-mère était barreuse de feu. Alors, je ne sais pas si peut-être c'est ça qu'ils appellent médium de 3e génération. Donc, pour moi, ça serait de 3e génération. De 10 générations, je ne sais pas, j'en sais rien. Je médium et puis c'est tout, quoi. Allan Kardec, qui est pour moi mon père ou mon guide, mon père spirituel, a beaucoup parlé. En fait, j'ai oublié tout à l'heure de préciser, parce que nous avons son cadre, et depuis quelque temps, c'est vrai que je n'apportais pas les cadres, et ça nous a été demandé. D'accord. Ça nous a été poussé, on est poussé à remettre son cadre et à parler de lui. Le père du spiritisme, le père le codificateur de ce que nous. Parlons en théorie, mais c'est ce que nous allons voir aussi en seconde partie, c'est-à-dire celui qui nous a un petit peu expliqué comment communiquer avec l'au-delà, et il le dit, d'autres l'ont dit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, tu le dis certainement, c'est nous qui sommes à la disposition de l'au-delà et non pas l'au-delà à notre disposition. Ah ben ça c'est clair. Ensuite, c'est c'est clair. Une condition sine qua non qu'il faut mettre en bonne et due forme, bien clairement. Oui, c'est clair. C'est-à-dire que si là où ils n'ont pas envie de parler, ben, si tout à l'heure ils ont décidé de dire ben non, on ne reçoit rien, ben, tant pis d'être venu. Hein. parce que c'est eux les patrons. C'est eux les patrons. Tout à fait. C'est vraiment eux les patrons. Tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit quand on s'est parlé il y a quelques jours, j'ai deux patrons. Oui, les défunts et les endeuillés. Les défunts et les endeuillés. C'est vraiment mes deux patrons parce que. C'est un peu terrible, mais sans les défunts, eh ben, je ne sers à rien. C'est vrai. Et sans les endeuillés, je ne sers à rien aussi. Parce que je suis un peu, je ne sais pas, le messager des endeuillés. Et puis le messager des défunts. C'est pour ça que je suis au milieu des deux. Et c'est pour ça peut-être le mot médium aussi. Aussi. Et donc, il parlait, Allan Kardec, dans une de ces communications, enfin de ces transmissions. La médiumnité est une faculté très multiple qui présente une variété de nuances. Quiconque est apte à recevoir ou à transmettre les communications des esprits est par cela même médium. En fait, il explique, avec le vocabulaire du 19e siècle, Allan Kardec, 1804-1869, pour le resituer. Toutefois, dans l'usage ordinaire, ce mot a une acception plus restreinte et se dit généralement des personnes douées d'une puissance médiatrice assez grande, soit pour produire des effets physiques, bien sûr il y a des médiums à effets physiques, évidemment. C'est de plus en plus rare. De plus en plus rare, oui. Soit pour transmettre la pensée des esprits par l'écriture ou par la parole. Voilà, alors parfois quand j'ai présenté moi Allan Kardec dans certaines associations, même congrès, je me rappelle un jour un collègue qui était à côté de moi, tu vas parler d'Allan Kardec, c'est démodé, c'est désuet, c'est dépassé. Bonté divine.
Allan Kardec, c'est le père de nos communications. Ouais. Hein, et il en parle clairement, soit par l'écriture, soit par la parole. Donc ça veut dire ce que ça veut dire précisément. Voilà, et comment ça se passe aussi avec, on va pas donner de nom bien sûr, mais avec tes collègues, parce que tu as rencontré des collègues, enfin des collègues entre guillemets, des gens qui recevaient des messages comme toi. Très bien, très très bien. Moi en fait je suis le petit nouveau qui arrive, qui a fait une ascension fulgurante où on voit un peu partout sur les sur YouTube, Facebook et tout ça. J'ai beaucoup de chance, je suis un peu accepté parce que je communique différemment, donc j'ai une chance incroyable parce que ma différence en fait fait que je suis un peu hors de tout ça. Et ben grand merci là-haut, grand merci mon guide, parce que voilà, ma différence fait que j'en ai fait une force. Ouais. Après, après j'ai toujours certains appellent la police de la spiritualité qui me disent non, c'est pas comme ça, c'est pas comme si, c'est on a toujours les charlatans, les choses comme ça, mais en fait c'est pas bien grave tout ça. C'est compliqué de faire croire à des gens qui ne comprennent pas ce qu'on est que c'est une évidence en fait. Mais non, j'ai pas cette tyrannie des autres médiums. Pour l'instant, je vais toucher du bois, mais pour l'instant tout va bien. De la peau de singe, mais. Oui, oui. Non, je suis trop frais peut-être dans ce milieu de la médiumnité. Il y a de grands médiums qui ont traversé le siècle. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé d'Edgar Cayce, de Tibor Javier. Bon, pour parler des personnalités de notre siècle et de outre-Atlantique. Mais il y avait aussi, j'aime à citer, Michel Riffard, Monsieur Arsène, Marcel Béline, qui a eu aussi un parcours extraordinaire. Hein. Il perd son fils et après le décès de ce tragique, à cause de ce tragique accident, la médiumnité, et il le dit d'ailleurs, parce que la médiumnité était déjà là. Oui. Alors, ce n'est pas parce qu'il a vécu cette épreuve qu'il faut vivre des épreuves, comme on disait tout à l'heure. Non, il ne faut mais pas. Cette épreuve a été révélatrice. Ah oui, c'est le déclencheur. Et il écrit un très beau livre, La Troisième Oreille, je ne sais pas si tu l'as lu. Non, mais... pas du tout. Ah, je suis trop bébé. Bon, j'ai pas encore tôt. J'ai pas encore. Je te l'offrirai. Ah, mais c'est gentil. La Troisième Oreille. Pour l'instant, j'essaye de transmettre, donc je lis pas beaucoup, sûr, en fait, les bouquins. Il raconte son parcours et c'est extraordinaire. Voilà. En fait, ils vivent des peines, ils vivent des souffrances, ils vivent du malheur. Tu as répondu tout à l'heure, c'est pas la condition sine qua non. Tous les médiums ne doivent pas vivre ce genre de choses. Non, pas du tout. Et tu pas en es. Ah moi j'en suis. Ah oui, je suis un peu un cas d'école. Et par mon parcours rapide, parce qu'au bout d'un an et demi, me retrouver devant presque 130 personnes, pour moi c'est juste magnifique. Et par la douleur des épreuves, non, j'ai pas. Après, oui, on perd tous sympa. Une grand-mère, un papa, c'est des deuils qui sont quand même durs, mais c'est pas parce que j'ai eu ces deuils de ces personnes que ma médiumnité est apparue. Voilà, c'est parce que j'étais bien et parce que j'étais dans mon jardin et qu'il y avait la piscine à côté que voilà, j'étais bien et je ne pensais pas au quotidien, surtout. Difficile d'expliquer aussi la médiumnité par la science. On ne peut pas tout expliquer. C'est des gens d'Ormesson, d'ailleurs, qui disaient cela. On ne peut pas tout expliquer. Tout n'est pas explicable. D'ailleurs, la science arrive à expliquer un certain nombre de choses. Et bon, quand je parle avec certains scientifiques, est-ce qu'on peut expliquer... Ah, le portable qui sonne en première partie. La science, donc, ne peut pas tout expliquer. Et... Je pense qu'il y a quelqu'un qui veut te faire taire. Méchant. Et il y a aussi, donc, une grande médium qui a traversé le siècle 1901-1999, c'est Hélène Bouvier. Oui. Qui a été extraordinaire. Moi, je l'ai vue deux, trois fois sur la fin de sa vie et... Elle était spécialiste aussi des âmes des animaux. Elle communiquait beaucoup avec les âmes des animaux. Et elle part justement de cette... dans une voyante témoigne, ou médium en tout cas, on pourrait dire aussi,
Néanmoins, je ne crains pas de le répéter. Les savants sont incapables de nos jours encore de donner une explication scientifique valable des manifestations psychiques. Le pourront-ils jamais ? Elle a écrit ce livre il y a 40 ans. Hein. Il ne sert à rien de se le demander. L'essentiel est qu'ils consentent à se dégager de leur ornière faite d'orgueilleux scepticisme. Vous savez que souvent le scepticisme cache quelque chose. Oui. Ça. Il a jeté bas les barrières de leur indifférence. Je suis ce qu'on nomme une médium spirit. Je suis ce qu'on nomme. Elle ne dit pas je suis. Eh oui. Je suis ce que les autres me disent que je suis. C'est ça. L'humilité de cette femme. Eh ben oui. Petite bonne femme d'un mètre 60-65 qui était extraordinaire. Avec ses chats. Avec ses chats. Elle avait 40 chats dans son appartement. C'est ça. Et elle dormait par terre. Comment ? Elle dormait par terre. Ouais. Je suis ce qu'on nomme un médium spirit, c'est-à-dire que je vois ce que l'on appelle mort. La justesse des mots, hein. Toi qui aimes la justesse et la justice, je vois ce que l'on appelle mort et qui vivent réellement dans l'au-delà. Bon, je crois en Dieu, en cette communion spirituelle des âmes par la prière, telle que nous l'enseigne l'Évangile. Voilà, tout ça pour, en refermant ce chapitre sur la médiumnité, est-ce que tu aurais une définition ? Qu'est-ce que c'est qu'un médium ? Qu'est-ce qu'un canal ? Bonne question. Excellente question. Merci. Voilà. En fait, ça serait, définir. Tu es un garçon ? Je crois. Voilà. Voilà. Ça serait définir. Comment expliquer que tu es un garçon ? Ah. Ben voilà. Tu le sais au plus profond de toi. Et ben être médium, c'est pareil. Tu sais que tu es médium, comme tu sais que tu es un garçon. D'accord. Comme tu sais que tu es une fille. Tout simplement. Et ça se traduit par. C'est même pas traductible en fait. Comme tu sais que tu es un garçon, tu sais que tu es médium. Parce que c'est comme ça. Et c'est compliqué à faire percevoir les gens, à leur prouver qu'on voit des choses que les autres ne voient pas. Eh bien oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. On a des moments où on perçoit des choses et c'est pas définissable, c'est pas palpable. C'est un côté de la science qu'on n'a pas peut-être exploré, mais qui est bien réel. Et qui peut-être dans 100 ans ou 1000 ans, on pourra l'expliquer, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, comment définirais-je qu'on soit médium ? Ben, comme on est un garçon ou comme on est une fille, on sait qu'on est médium, tout simplement. Et on sait se guider par ses énergies et son esprit, je ne sais pas. Et est-ce qu'on peut pousser un petit peu le bouchon un peu plus loin, à rond ? Oui. Et non pas Maurice. Maurice. J'en ai pas ce soir des Maurice pour l'instant. Comment ça se passe pour toi ? Est-ce que tu vois ? Est-ce que tu entends ? Est-ce que tu perçois ? Est-ce que tu ressens ? Alors moi j'ai une chance incroyable. J'ai toute la panoplie de perception. Je peux les voir, je peux les entendre, je peux alors pas les toucher, mais les sentir. Je peux avoir le contact, si les toucher avec un frisson. En fait, il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que, comme je dis toujours, chaque défunt a une empreinte digitale qui est céleste un peu, et chaque défunt est différent. Et un défunt va venir me voir et va se présenter plus dans l'olfactif ou plus dans la vision. Un autre va se présenter par la voix. Chaque défunt est différent, mais j'ai la panoplie complète de tout ce qu'on peut. Donc tout ce qu'on peut voir en fait en médiumnité, voilà. En plus de l'écriture, en plus du gribouillage. Toutes ces perceptions ne se révèlent pas et ne se pratiquent pas, par exemple, en même temps. Ah, ça peut arriver en même ça temps. Peut oui, ça peut arriver en même temps. Jésus qui change d'ailleurs. Ok. Et tu travailles bien sûr sans photo, ce qui est rare aussi. Sans photo, oui, parce que souvent les photos c'est bien. On amène toujours une photo d'un pique-nique ou d'un repas de famille. Et donc après, le médium peut se faire des idées et peut s'inventer des flashs en fait, autour d'un environnement. Alors, petit conseil, quand vous allez voir des médiums, amenez des photos d'identité. Voilà. Avec un fond blanc. Au moins, comme ça, ils sont dans le juste. C'est dur, hein, ce que je dis. Hein. C'est dur. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a de plus en plus, dans cette génération de
entre guillemets, de jeunes médiums dont tu fais partie, donc des canaux qui captent, qui canalisent sans photo, de plus en plus. Oui, oui, oui. D'ailleurs, je crois que l'association reçoit Nicolas Touvenot. Oui, dans pas longtemps, qui est un médium incroyable avec au qui, mois de janvier, pardon. D'accord, qui est un médium incroyable avec qui je pratique la médiumnité dans d'autres associations, et puis Stéphanie Juré aussi, qui voilà, ce sont des pour moi ce sont la nouvelle génération de médiums qui arrivent pas sur le marché mais qui arrivent et qui sont dans le juste et dans la pratique. Bienveillante de transmettre les messages dans la justesse des choses. Et c'est important. Tu me corriges si tu n'es pas d'accord avec moi, mais c'est vrai que travailler sans photo, recevoir des messages sans photo est une manière de canaliser. Et c'est vrai qu'à l'association, depuis ces derniers mois, on a de moins en moins, donc, et heureusement, on trouve des canaux qui travaillent sans photo. Et c'est vrai que auparavant, les gens portaient leurs photos. Oui. Il y avait peut-être 10-15 messages sur 100-130 personnes. Et on ne comprenait pas pourquoi Mémé Huguette ou Pépé François n'étaient pas venus. Alors que moi, j'avais porté la photo. Hein. Elle était là. et alors, il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Vous n'avez pas un message pour. Et oui. Il y avait 125 personnes qui repartaient frustrées. Alors qu'ils avaient mis la photo. C'est ça. Et bien là, au moins, comme ça, c'est un peu. Alors. C'est un peu celui qui va crier le plus fort. Alors, des fois, c'est un. Il crie dans l'au-delà. Ah oui, oui, ça crie. Oui, ça crie. D'ailleurs, des fois, je me bouche les oreilles. Ils engueulent aussi. Hein. Ils engueulent, oui. Ils engueulent quand il y a des choses qui ne sont pas bien, mais c'est toujours très bienveillant. Oui, c'est ça. C'est toujours très bienveillant. Alors, comme je dis toujours, les défunts qui viennent et qui n'ont rien à dire, ben, ils ne viennent pas. Parce que si c'est pour juste faire coucou, ils passent dans les rêves, souvent. Et ils vous font un petit coucou comme ça de temps en temps. Souvent, les défunts en fait, que je reçois dans les lectures publiques, c'est des défunts, un, qui crient le plus fort et qui ont quelque chose d'important à dire et quelque chose d'important à transmettre. Bah, des fois, pas que. Des fois, ils n'ont rien à transmettre, mais ça crie. Donc, je prends à celui qui est... Je prends la facilité, en fait. Parce que c'est tellement... En fait, c'est un exercice d'équilibriste parce qu'on... On capte le participant, il attend des fois des signes de reconnaissance qui ne sont pas forcément ce qu'on donne. C'est pour ça qu'il faut ouvrir et être réactif. Parce que des fois, on dit le mardi et c'est le mercredi, mais le mardi, il s'est passé quand même quelque chose d'important. Mais le participant a le mercredi en tête et voilà, c'est comme ça. Non, c'est vraiment celui qui parle le plus fort et qui s'impose le plus à moi et qui a cette énergie de me donner les choses rapidement, en fait. Pour la fluidité, surtout. Pour la fluidité et pour que ça soit agréable pour vous aussi. Et aussi parce qu'il a trouvé, hein, c'est un peu comme la radio. Oui, hein, ah ben, c'est, il oui, a oui, trouvé c'est la bonne fréquence. La bonne fréquence, hein, oui. Pour se connecter avec toi. Oui, oui. C'est ça que on essaie dans nos rencontres d'expliquer. On fait de l'éducation spirituelle dans le sens que tout le monde ne peut pas avoir un message. Non. L'entité choisit le canal. Choisit le médium. Hein, oui. Elle choisit donc la fréquence sur laquelle elle pourra se connecter. Parfois ça se fait, parfois ça ne se fait pas. Mais il y a tout un tas de choses, hein, des autorisations avec les guides. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est... Bon, Patricia Daré parle de hiérarchie, mais en tout bien tout honneur. Hein, oui, oui. C'est un petit peu ça aussi. C'est exactement ça. Et puis il n'y a pas que ça, c'est cette triangulation qu'il y a entre le consultant, moi et le défunt. Exactement. Et puis il faut qu'il y ait cette alchimie des trois pour que ça se passe. Sinon, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. Comme je dis toujours, Jean-Michel à peu près, c'est pas moi. L'énergie que vous déployez, l'énergie que tu déploies, ouais, c'est... ainsi que l'entité et la personne qui reçoit le message. Oui. Et on prend le message même si c'est une ex-belle-mère. Ouais. Ah. Voilà. Hein? Dis-moi tout. Tu me réponds par oui ou par non. Oui. En fait, oui, c'est que ça te plaît, donc c'est que ça te plaît pas. La vie. Oui. La mort. Oui. La mort, oui. Oui. Ah oui, ah oui, j'en ai plus peur. D'accord. Okay. Le sport. Non. Ça, je savais. Les empêcheurs de tourner en rond. Oui.
Oui ou non, tu aimes, tu n'aimes pas. Le chocolat ? Oui. Le cinéma ? À la maison. Le chocolat noir ? Non. Tu préfères le blanc ? Oui. Au lait ? Oui, au lait. Au lait, au lait. Au lait. T'es pas mon chocolat, t'es pas un vrai chocolatier alors. Ouais, je sais. J'espère. J'espère qu'il n'y a pas de chocolatier. Le cinéma ? Oui, mais chez moi. D'accord. Voilà. Oui, enfin la télé quoi. La télé. Une grande télé. Oui. Les films romantiques ? J'ai plus le temps d'en regarder, donc non. Ou les dramatiques ? Dramatiques, oui. Science-fiction ? Oui. Fantastique ? Ah oui. Western ? Non. Il n'y a pas de western ? Non. Ah bon ? On y voit bien, parce que c'est un bon vivant. Oui. Alors, tu me réponds par oui ou par non. Oui. Hein. La paella. Ah oui. Le cassoulet. Oui. Les andouilles. Oui. Non, mais les andouilles. Oui, de Guéméné. Hein. Des Guéméné. D'accord. Oui. Non, pas les autres. Hein. Oui. Par oui ou par non. L'hiver. Oui. La neige. Non. T'aimes pas la neige ? Ah, ça fait froid. Le verglas ? Non, non, non. Non plus ? C'est mon. J'ai fait mon armée dans les chasseurs alpins. Les bisounours. Ah oui. Les bisous. Oui. Les nounours. Oui. Les animaux. Ah oui. Chats, chiens. Ah oui, oui, oui. Les serpents. Oui. Les araignées. Oui. Les tiques. Non. Le blobfish. C'est le quoi ? Le blobfish. C'est un poisson qui vit dans les profondeurs des mers qui est affreux, horrible. Ah bah oui, il faut tout pour faire un monde. Ah, il faut ouais. Bon, d'accord. Merci. Mais il n'y a pas les tiques. C'est un parasite, l'éthique. Tu as l'éthique ? Non. Non. Enfin, je veux dire d'éthique. Non, pas trop. Éthique et tac. Éthique et tac. Et puis, bon, c'est pas. Est-ce que tu aimes la propreté ? Oui. Ranger ? Non. Faire le ménage ? Non. Nettoyer ? Non. Récurer ? Non. Passer l'aspirateur ? Non. Ne rien faire ? Ah oui. Allez, on continue. Madame, parlez bien dans le commentaire. Quand vous recevez vos messages, oui. Est-ce que c'est une voix très douce ou est-ce que c'est très très fort ? Est-ce que ça prend d'un seul coup toute votre attention ? Eh bien, chaque défunt est différent. C'est-à-dire, des fois, je peux avoir, j'ai déjà eu des vendeuses de bazar où la personne vendait tout et je l'entendais crier parce qu'elle était sourde, cette dame. Donc, je l'entendais crier. Et d'autres mamies ou d'autres papys ou peu importe, vont venir avec une voix très douce. La seule ligne qui est un peu partout pareil, c'est que c'est comme si c'était dans une église avec cet écho, en fait, avec une intensité un peu différente de suivant comment était le défunt, tout simplement, l'envolé. Voilà. Merci. Oui. Une autre question. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir si nous recevons un message à travers vous, oui. Est-ce qu'on peut vous poser la question du ressenti que vous avez par rapport à notre défunt ? Si c'est, tout à l'heure vous avez dit, parfois je sens un parfum, oui. Parfois je ressens un toucher, etc. Est-ce que lors de la communication, on peut vous demander oui. Quel est le ressenti ? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je vous le donnerai. Je vous donnerai le ressenti. Oui. Oui, oui. Question au fond. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Ma question, c'est si c'est un animal qui se manifeste, comment il se manifeste ? Eh bien, comme si c'était un chat. Je dis, j'ai un chat qui se présente. Des fois, il me donne le prénom. Alors, des fois, ça peut parler. J'ai un chat qui s'appelle... voilà. Souvent, c'est les éclaireurs des défunts, c'est-à-dire que je vais avoir ce petit chat, et puis derrière, il y a le maître qui est peut-être parti, ou pour vous, un défunt proche, un envolé proche, qui est là et qui est avec, qui va me dire peut-être, ils se sont retrouvés, ou des choses comme ça. Voilà. Voilà. Mais c'est, j'essaye, comme je dis, j'essaye d'être très précis. Jean-Michel, à peu près, c'est pas moi. Oui. Bonjour. Moi, la question, c'était, est-ce que vous avez déjà eu des bébés pas encore nés ? Oui. Oui. J'en ai ce soir. Enfin, ce soir, aujourd'hui. Pour se manifester ?
Et bien par les signes de reconnaissance. C'est-à-dire que si je vous dis que j'ai un bébé comme ça, qui est venu me voir, avec quelques signes de reconnaissance, par exemple de votre vie, on saura que c'est vous. Ça ne sera pas un gros message, mais ça sera... Ce qu'il faut accepter souvent, c'est que l'enfant devienne le guide familial du parent, qui n'est pas dans la suite logique des choses. Et il faut avoir un œil complètement différent de l'autre côté. Ça, c'est important. Bonsoir. Je suis très vexé parce qu'on avait tourné le dos toute la première fois. C'est mon meilleur profil. Je voudrais avoir une petite précision. Est-ce que votre vision est permanente? C'est-à-dire quand vous voyez des gens dans la salle, vous dites, tiens là, il y a quelqu'un qui m'interpelle et je vois des trucs. Oui. Ou est-ce que c'est sur commande? Et si et quand c'est sur commande, est-ce qu'on vous répond toujours? Ah ben non, alors. Je vais oublier là-haut. Ah, mais c'est ce que je disais. Ah, oui. De l'autre côté, c'est mes patrons. Mais bon, j'étais un peu derrière la porte, j'ai un peu scanné tout le monde. Et puis, ce qui est drôle, c'est que je reçois les informations et je décris déjà les personnes pour qui c'est. Le défunt me dit, voilà, je veux pas me connecter maintenant, mais et je peux aussi déclencher quand je suis en consultation privée. D'accord ? Parce que le but, quand même, c'est d'avoir un message de son envolé. C'est bien d'avoir un message du voisin, de la voisine, qu'il faut prendre d'ailleurs, mais voilà. Et non, c'est pas permanent. Heureusement, vous imaginez. Si on y était 260 minimum. Bonjour. Bonjour. Je voulais demander, est-ce que le défunt, aussitôt qui s'est envolé de l'autre côté, est-ce qu'il peut faire de suite des signes, par exemple, dans une maison? Ou est-ce qu'il peut communiquer à travers vous dès son départ? Oui. Ou il y a un temps à attendre? Non. Non. Chaque défunt a ses propres règles. C'est comme en fait, ce qui va faire en fait les signes et les choses comme ça, ça va être en fait votre acceptation du deuil et l'acceptation, vous, que vous avez la capacité de recevoir le message. De ne pas avoir peur, c'est ça. Si vous avez envie que ça vous réchauffe le cœur d'un accident ou quelque chose comme ça, et que ça s'est passé hier et que vous êtes là aujourd'hui, et ben, si de toute façon, s'il a décidé de se manifester, vous verrez que ça peut être un an, 6 mois, 2 jours, 3 heures. Vous savez, le passage, c'est juste comme ça. Et après, c'est eux qui décident. Bon, généralement... J'ai jamais eu trop, jusqu'à un jour ou deux, mais j'ai jamais eu quelques heures. J'ai pas eu encore ce cas-là, de quelques heures. Mais si un défunt s'est désincarné il y a quelques jours ou quelques semaines, il peut venir me voir pour apporter une vérité, souvent. Et je veux rebondir aussi, souvent on pense que les personnes qui se sont désincarnées volontairement, ils sont dans le désarroi, ils sont dans le bas astral. Pas du tout, hein. Je ne dis pas que c'est bien ce qu'ils ont fait, mais c'est juste que de l'autre côté, ils ont cette force vive pour communiquer et pour rétablir une vérité. Et ça, c'est important. Voilà. Merci. Ouais, il n'y a pas de mal. Attendez, on vous donne le micro. Attendez, on donne le micro. Oui. Il faut bien s'entendre. On vous fait passer le micro. Il y a d'abord une dame derrière. Je pense que c'est ça. Vous vouliez poser la question? Oui. Non, pas vous. Non, à côté. Non. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais poser par contre la question inverse. Est-ce que, bon, c'est la première fois que j'assiste à cette conférence, et à l'inverse, je me posais la question, est-ce que si le défunt est parti depuis... 20 ans. Plus que ça? Ah non. Je dirais fois 2. 40 ans? Ouais. Ouais, j'ai déjà eu. J'ai déjà eu des papis, des mamies, alors là, on peut appeler des papis, des mamies, mm-hmm. qui se sont désincarnés il y a 40, 50 ans, 60 ans. Alors après, dans le processus, plus le défunt est parti tôt, plus il m'envoie des objets matériels, style des montres, des choses comme ça, des vestes. Est-ce que tu as récupéré la veste ou est-ce que tu as récupéré les bijoux, mm-hmm. Et plus la désincarnation est loin... Et plus on sera dans le souvenir des choses. C'est-à-dire, rappelle-toi comment
je ne sais pas moi, rappelle-toi des souvenirs de plage ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Merci. Et si c'est proche et qu'il y a déjà ces souvenirs, alors là, c'est merveilleux, ça veut dire que le défunt s'est fait à l'au-delà rapidement. Voilà. Mais il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Voilà. Voilà. Je vous tourne encore le dos. Bonjour. Bonjour, madame. Je voulais vous demander si, des fois, on dit que les âmes ne s'élèvent pas et restent dans une maison et qu'ils peuvent être à tout moment. Est-ce que c'est vrai? Alors, ça arrive qu'il y a des âmes qui sont bloquées. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de ça, des âmes qui sont bloquées. C'est très rare. Après, c'est beaucoup de on-dit. On dit que pleurer, ça les retient, qu'il ne faut pas les appeler. Il y a plein de choses comme ça. Non. De toute façon, s'ils ont décidé de ne pas parler, comme je vous ai dit, c'est eux les patrons, ils ne viennent pas. Voilà. Et puis après, il y a des défunts qui sont bien bloqués, qui se sentent bien dans une maison pour faire des esprits farceurs, des choses comme ça. Et ça leur convient tout à fait. Pourquoi absolument en fait, l'homme, il veut chasser tout le monde, les faire passer. Allez, hop, on dégage tout le monde dans la lumière. C'est parfait, vous n'avez plus rien à faire ici. Basta, non. L'essentiel, c'est que si vous avez des phénomènes, est-ce que vous, ça vous dérange? Non? Donc, voilà. Eh bien, c'est une belle... C'est une belle... Pas forcément. Mais je ne suis pas un spécialiste de tout ça. Je peux me tromper. Ça arrive qu'il y a des âmes qui sont bloquées, qui sont torturées. Mais ce n'est pas... comment dire? Je n'ai pas trop de connaissances sur ça. Je préfère vous dire ça que vous dire n'importe quoi. Vraiment. Vraiment. Bonjour. Bonjour. Je voudrais revenir. Alors, je ne suis pas de médium du tout, je ne suis pas du tout comme vous. Je voudrais revenir quelques instants sur ce que vous avez dit tout à l'heure en ce qui concerne les conférences sur lesquelles les médiums. Ont des photos. Ont des photos. Et vous faisiez allusion à des nouveaux comme vous, et j'adore, qui n'ont pas besoin de ce support. Pensez-vous que, justement, c'est pas dans l'ordre des choses que maintenant, les nouveaux médiums n'ont plus besoin de ce support photo? Parce qu'on voit, que ce soit dans le magnétisme, que ce soit dans la médiumnité, que ce soit un petit peu partout, ça évolue. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense sincèrement que les défunts de l'autre côté commencent à connaître le canal et commencent à connaître en fait les décodeurs de plusieurs médiums. Et qu'au début, c'était plus compliqué. Au début, quand la TCI, la transcommunication avec les voix, c'était compliqué. Et une fois qu'ils ont compris, on a reçu plein de voix de l'au-delà. Et pareil, il y a l'IFRES qui fait un travail remarquable avec des photos. Au début, c'était un peu brouillé, un peu brouillon. Et en fait, au fur et à mesure que l'âme et que nos chers envolés connaissent le chemin, moi, je pense qu'il y a une autre vie, j'en suis persuadé, qu'il y a une autre vie et qui se donne le mot. Tu devrais faire comme ça, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. De l'autre côté, ça se dit. Et c'est pour ça qu'on reçoit plus clairement avec sans photo, avec sans futur, sans support, sans futur. Merci. Non, non, non. Voilà. Qui me parle? Bonjour. J'aurais souhaité savoir si vous avez choisi votre guide ou c'est lui qui vous a choisi. Ah non, c'est mon guide qui m'a choisi. C'est mon guide qui m'a choisi, oui. C'est mon guide qui m'a choisi. J'ai trois guides familiales, trois guides familiaux, qui est mon papa, ma grand-mère et ma deuxième grand-mère. Et j'ai mon guide spirituel qui s'appelle Guillaume et qui est là. Pour l'instant, il est un peu discret, mais il va rentrer, c'est lui qui va venir en fait m'aider aujourd'hui et qui est venu en fait me dire ben voilà j'ai ça et voilà. Voilà. Ah ben moi aussi. Moi aussi j'ai hâte. Bonjour. Bonjour. Donc en fait vous parlez de grand-père, grand-mère, fœtus. Oui. Donc ça voudrait dire que de l'autre côté, ils auraient gardé leur forme au niveau du décès ou ça serait plus qu'une. C'est juste une énergie. C'est une énergie. Alors, voilà. Moi, je prends le parallèle avec l'eau. L'eau, quand elle est congelée, on la voit, elle a un corps, c'est un glaçon. Et quand elle est chauffée, eh ben, elle est un peu
volatile et on ne la voit pas, l'eau. Eh bien, l'au-delà, c'est pareil. C'est marrant. L'au-delà, c'est pareil. Oui, ben, je viens de m'apercevoir quelque chose. Hein, bravo. L'au-delà, c'est... Ouais. L'au-delà, c'est pareil. En fait, on garde la, ben, ce qu'on est au plus profond. Mais en fait, c'est juste l'état qui change, suivant qu'on est plus froid ou plus volatile, tout simplement. Voilà, c'est juste, on se congèle, entre guillemets. Voilà. Excusez-moi de réintervenir une seconde fois, mais si on fait mais ça me va. Enchanté. Que une autre question oui. Qui me semble importante me vient à l'esprit. Vous avez parlé de guide. Oui. Est-ce que chacun de nous peut savoir comment, quel est son guide? Oui. Tout le monde a un guide. Tout le monde a un guide. Ah ben ça, peut-être que je vais vous le dire ce soir. On a tous des guides familiaux. Et ce n'est pas forcément les guides qu'on attend. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un papa ou une maman ou quelque chose comme ça. Ça peut être un voisin qu'on a aidé, un monsieur qu'on a aidé pendant qu'il était un peu à la rue ou quelque chose comme ça. Ça peut être un enfant parce que les rôles sont inversés. Et puis il y a toujours une petite âme animale des fois qui est là et qui est proche de vous aussi. Voilà, ben non. On va s'arrêter là. On va peut-être s'arrêter là. Allez, la toute dernière. Jean-Marc, bonjour. Je voudrais savoir, oui. Je vis dans une maison depuis plus de 20 ans. Oui. Les cadres bougent seuls. Oui. J'ai obligé de mettre des clous parce qu'ils bougent. Oui. Mais ils bougent quand même. Oui. Je mets des coussins le soir, je les tends bien. Le lendemain, j'ai deux formes dedans. Et il y a 15 jours, 3 semaines, je me suis trouvé bien à nez en me réveillant avec deux personnes devant moi. Oui. Un homme et une femme. Eh bien, c'est simplement que vous avez des capacités médiumniques, madame, et que de l'autre côté, ils essayent de communiquer. Et bon, alors, ils essayent de vous faire peur parce que la peur. Non, c'est pas peur. Ben voilà. Bon, ben ça, c'est. Non, non, mais parfait. Eh bien, il faut leur demander pourquoi ils sont là. D'accord. Et si vous n'avez pas envie qu'ils soient là, ben vous leur. Ah, ben voilà. Ah, bravo. Voilà. Tout à fait. Ben, merci à vous. La toute dernière. Et après, on va. Je voulais juste vous demander, oui. Est-ce que l'éléphant peut vous parler de l'accueil qu'ils ont là-haut, oui. De leur travail, de l'évolution? Parce que souvent, on ne l'entend pas, et je trouve que c'est vraiment important. Alors, moi, aux défunts, je leur demande qu'une chose, qu'ils me transmettent des messages quand je suis ici parmi vous. Ce qu'ils font... S'ils travaillent, s'ils font quoi que ce soit de l'autre côté, en fait, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie et je m'en fous un peu. L'essentiel, c'est que quand ils viennent nous voir ici, ils vous disent que tout va bien, ils vous réchauffent le cœur. Des fois, j'ai des petites bribes de. J'ai eu des accidentés qui me disent j'accueille des âmes, ça arrive de la route, des choses comme ça. Mais je leur demande pas particulièrement parce que. Est-ce que on parle de temps en temps, je pense qu'on serait. En fait, ils mettent de l'humain dans tout ça, parce que je pense qu'on n'est pas capable, l'œil humain et le cerveau humain n'est pas capable de savoir comment ça se passe de l'autre côté. Ça serait un peu peut-être trop déroutant parce que on a une image et de l'autre côté, c'est complètement les règles sont complètement changées. Voilà, merci. Tout simplement. Eh bien, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On retrouve un rang donc après le goûter. Alors.